Salut à toi, jeune entrepreneur ou entrepreneuse. Oui, à toi qui regarde cette vidéo et qui est intéressé par le titre ou juste parce que tu t'es abonné à la chaîne. Et que si tu ne l'es pas encore, abonne-toi maintenant. Preuve de ton soutien. Ouais, vas-y, soutiens-moi. Cette vidéo est sponsorisée par les mots reconstitution historique ou reconstite. Le but est de conseiller la base d'une démarche reconstitution histo pour ne pas gaspiller inutilement ton flouze, ton oseille, ton pognon, ton pèse, ton fric, ton blé, tes économies, tes sous, ton salaire, tes bénéfs, tes badelaines, tout ce qui traîne. Ouais, si t'as pas la référence, c'est que tu es beaucoup trop jeune. Bref, le sujet est intéressant, tu pourrais en apprendre beaucoup. Bienvenue sur Explolive. Beaucoup de gens sont ébahis par les costumes, par les armes ou encore la vie d'une époque représentée. Aucun film ni aucune série connue mettent concrètement, historiquement, en contexte de vie quotidien à sa place d'un déroulement avant le XXe siècle. Ou alors, si tu as des sources d'un film historique, 100% histo, je prends, mets-le en commentaire. Même en reconstite, il y a des choses qui ne sont pas 100% de reconstitution histo, comme par exemple les tentes au Moyen-Âge. La période médiévale, c'est 1000 ans. 1000 ans d'histoire. Les contextes historiques montrent que tout le monde ne pouvait pas se payer une tente. Je parle de l'abri, hein, qu'on soit clair là-dessus. Même certains chevaliers dormaient à la belle étoile. Eh, ça arrive. Seulement, on réfléchit aux pratiques et en sécurité en personne née au 20e ou 21e siècle. On ne peut pas représenter la mentalité de l'époque. En revanche, on peut la comprendre à quelques pourcentages près. Et encore. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo est un contexte de reconstitution basé avant le XXe siècle. Si tu veux faire de la reconstite année 1900, donc t'as presque 100 ans, il y a moyen de faire des recherches puisque c'est un peu notre époque. Il y a suffisamment de matière en images, en témoignages de tes parents, de tes grands-parents, arrière-grands-parents, les nombreux films, les documentaires, les séries, les romans, les BD ou encore les jeux vidéo, les magazines, enfin, il y en a plein. Donc là, en gros, tu peux directement acheter des choses crédibles rapidement. 98%, et je ne déconne pas, 98% des gens qui commencent la reconstitution historique font de la merde. Et personne n'est à l'abri de faire des bourdes, même après plus de 10 ans d'expérience dans le domaine. Sachez que j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine et je me suis auto-baisé en achetant un truc inutile. Enfin, inutile. J'avais besoin très rapidement d'un Scottish Dirk. Le dirk est une dague écossaise et ça sert à beaucoup de choses. Quand quelqu'un veut s'habiller en costume d'époque, généralement, on se tourne tous vers un marchand qui fait du pseudo. Pseudo scandinave, que les gens appelleront vulgairement viking. Sans prendre en compte le contexte historique de ce putain de mot, ce qu'il représente réellement, et pas dans tous les sens pour dire tout et n'importe quoi et rester sur un fantasme de merde. Il y a du pseudo médiéval renaissance qui fera pratiquement 1800 ans d'histoire. Génial, du grand n'importe quoi. Ou encore du pseudo Highlander après avoir vu Braveheart. Liberté! Elle est où cette môme? Putain! Le pire, c'est que nous sommes tous passés par cette période, même si quelques-uns l'ont un peu oublié. Des fois, on oublie comment on a commencé. C'est dommage. On n'apprend pas à courir avant de savoir marcher. C'est la base de la vie. J'ai commencé comme beaucoup de monde avec du carbone. C'est du pseudo. C'est un coton. C'est pour faire du médiéval et c'est de la merde. Seulement quand tu achètes un costume pseudo, truc, chez Jean-Kevin qui boite de l'œil et qui vend des fringues faites au Pakistan par des enfants, tu perds de l'argent direct. Ça, c'est clair. Tu as acheté une tenue complète sans les chaussures pour une petite centaine d'euros que tu as mis de côté pour ça et tu t'es fait plaisir. Ou tu as acheté une épée directe parce que ça fait bling bling pour commencer la démarche reconstitution. Là, en revanche, on est tous passés par là. Bah, j'ai mon épée. Concrètement, tu as acheté un costume pour marquer le coup, sans savoir s'il est de bonne époque que tu voulais absolument. Sans prendre en compte sa matière et sa fabrication.
Alors, quand je dis fabrication, c'est par rapport à la coupe et ce qu'il représente réellement. Ce qui est tout à fait légitime, car tu ne savais pas. Encore, merci de regarder cette vidéo. Là, après un certain moment, tu vas rencontrer une asso qui visuellement te plaît, correspondant plus ou moins à ton costume. Tu te pointeras costumé, tu engageras une conversation qui va te faire regretter ton achat. Ça, c'est du vécu, et des deux côtés. Hein. J'ai commencé comme ça, maintenant je conseille, c'est cool. Peu importe la période, choisis la première chose à prendre en compte et qui déterminera tout ton costume, ainsi que le reste de ton équipement. C'est ton niveau social de l'époque que tu veux reconstituer. Ton costume d'une centaine d'euros ne correspond en rien de ce que tu vas t'apprêter à faire. Tu as perdu du pognon. Alors qu'en commençant à démarcher une asso ou directement faire des recherches de plusieurs heures, sans avoir fait d'achat, tu as déjà orienté ton choix et ce qu'il faut faire. La tenue, les couleurs, les finitions, les chaussures sont la base civile de toute époque restituée. C'est la base. Et suivant ton niveau social, ton costume de base sourcé t'aura coûté moins de 100 euros. Et sans les pompes. Tout le monde n'est pas Crésus. Ça c'est certain. Tout le monde n'est pas Crésus. Il vaut mieux avoir une tenue crédible de base avec des chaussures plutôt que de tout mettre dans une épée qui claque. Trop tard. Sans costume de base civile, tu pourras pas être sur un camp ni sur une prestation associative, sauf si tu veux rester libre et te faire plaisir juste pour toi. Ce qui arrive des fois. Certaines assos peuvent prêter un peu de matos pour t'habiller. Si tu as déjà un costume sourcé, ce qui est royal, elle peut te fournir sur un prêt un équipement de combat, si tu choisis de combattre. Avant d'avoir ton propre équipement, parce que ça vaut quand même un peu de pognon. Tu vas me dire, ouais, mais pour moins de 100 euros, sans les chaussures, comment c'est possible d'avoir un costume sourcé? Bonne question, petit. J'insiste bien sur les chaussures depuis le début, parce que je vais y revenir. Alors, suivant ton choix de niveau social et ta période, aucune période ne se ressemble, ça on le sait, il y a plusieurs méthodes pour avoir quelque chose de correct à moindre frais, ce qui est valable pour tout le monde. Homme, femme, enfant, chien, cheval, enfin tout quoi. Quand tu as trouvé ton personnage avec ton rang social, il te faut un patron pour créer ta base de costume. Tu peux demander à une asso, surtout si tu l'intègres cette dernière, un petit coup de main. Et c'est avec sympathie qu'on le fait. Ou si tu as les doigts en or, ou si tu te débrouilles bien pour créer ton costume, tu peux faire de très belles choses. En amont, forcément, il y a l'achat de matières premières principales, de la laine et ou du lin, et pour les plus riches, de la soie, dans le cas où tu veuilles faire un costume de haut niveau social. Et ouais, il y en a beaucoup qui partent là-dessus d'ailleurs. Si, comme moi, tu as deux mains gauches, l'artisanat est bienvenu, surtout dans la reconstite. On en parlera plus tard. Donc, à l'aide d'une asso, ou si tu as quelqu'un qui sait coudre dans ton entourage, ton costume sera de la ou des couleurs que tu aimes, en restant dans le cahier des charges de ce que l'on pouvait trouver dans la période choisie, en matière et en forme. De plus, ton costume sera 100% sur mesure. Oh oui, sur mesure. Tous les ans, il y a le marché de l'histoire à Compiègne, avant l'été à Pontoise. Et à Compiègne, c'est vachement mieux, c'est vachement plus grand, c'est vachement plus cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est un de très gros marchés qui dure 2 jours, pour le grand public, où tu peux trouver toutes les périodes historiques reconstituées. En gros, tu as du néolithique, là-bas, jusqu'aux années 60, là, quelque part. Avec beaucoup d'artisans de tout pays européen qui vendent. Il y a aussi des revendeurs pseudo-trucs de Jean-Kevin qui boitent de l'œil, qui représentent à peine 5% du marché. Et à peine, et encore à peine, hein. Il est très intéressant car tu as des prix qui ne sont pas exorbitants, suivant ce que tu veux, surtout dans le textile. Franchement, vas-y pour ça. Tu rencontres aussi des artisans chez qui tu pourrais acheter plus tard une pièce de ton équipement, quand tu auras du pognon. Ce marché, je le conseille car il est très riche en matière et en rencontres. C'est le plus gros de France. On trouve la même chose dans les plus petites villes, comme Orange, Niort, il y a eu Nantes aussi, il y a eu Dinan, il y a eu un petit peu en Belgique, en Allemagne aussi, pardon. C'est intéressant, donc à faire. Si tu as un peu de pognon et que tu veux faire une pièce spécifique que tu ne peux pas faire toi-même, il reste l'artisanat. Les chaussures en font partie. Le plus compliqué dans tous les costumes, qu'ils soient reconstitution ou non, le plus chiant
et le plus galère à trouver, ce sont les pompes. Ah mais vous faites chier les mecs, hein, sérieusement, juste des sabots de bois, c'est tout, alors là, faut arrêter quoi, vive la chouannerie. Beaucoup de gens ne se font pas chier, ils achètent des bottes. C'est la plus grosse erreur qui existe, d'acheter une paire de bottes. Tu tombes clairement sur les putains de clichés et fantasmes cinématographiques. Historiquement, à partir du 15e siècle en Europe et jusqu'à la Première Guerre mondiale, les seules personnes qui portaient des bottes sont uniquement les cavaliers. Et tous les cavaliers n'en portaient pas suivant l'époque. Parce que ça vaut du pognon aussi. C'est une très grosse erreur de penser qu'une personne à pied porte des bottes. Et ça, même à cheval, c'est un fantasme. Les seules fois où on porte des bottes en tenue Highlander, c'est pas avec un plaid. Elle deviendra par la suite une tenue politique avec les révoltes jacobites. Alors pour les chaussures, tu n'as pas beaucoup de choix pour ton époque. Il existe cependant des revendeurs qui réalisent du sur-mesure pas trop cher. Tu comptes entre 100 et 200 euros une paire, suivant le fabricant. C'est pour ça que l'achat d'une épée n'est pas urgent. Je m'en fous, j'ai mon épée! Tous les fabricants ne font pas tout le temps du 100% reconstitué. On appelle ça de l'histo compatible. Après, si tu veux du 100% reconstitué, le prix y est. La couture, c'est pareil. Si tu n'es pas à l'aise avec la couture, c'est d'ailleurs un des rares domaines dans les passions où l'on voit beaucoup de mecs coudre. C'est pas un travail que de femmes, même historiquement au passage. Donc si tu n'es pas à l'aise avec la couture, tu peux te rapprocher des artisans de la couture qui réalisent des costumes sourcés historiques. C'est un petit budget en plus, mais si tu leur apportes la matière première, ça sera un peu moins cher, surtout si tu sais ce que tu veux, en espérant que tu saches ce que tu veux. Au fur et à mesure de ton expérience dans le domaine, tu vas vite prendre en niveau, surtout si l'asso qui t'accompagne a déjà, elle, un très bon niveau. Il y a quelques années, j'ai cofondé une asso qui existe encore et qui a une meilleure image aujourd'hui qu'à leur début, qu'à notre début. Je fais plus partie de l'asso, donc même si de son départ, on était quand même chacun indépendant de chaque asso pour faire un bébé. Bon, c'est pas grave. Bah, tu m'as compris, quoi. L'asso se situe entre 1360 et 1415. On est sur une période où on a les mêmes équipements. Après, ça change vite. Il y a un petit peu Asie avant. Chaque asso, histo ou reconstite, est bloqué entre deux dates. Plus ou moins grande, c'est ce qui définit le cahier des charges pour l'ensemble des équipements par an social. Comme ça, on ne fait pas tout et n'importe quoi. Sinon, il existe des assos d'évocation historique qui survolent les époques et ne font pas de travail de recoupe de sources, du concret de ce que peut faire une asso de reconstite. Je préviens tout de même qu'il y a des gens qui rentrent dans les assos d'évocation, qui en apprennent des choses, plein de choses, et parfois qui en ressortent pour rejoindre quelque chose de plus strict dans les sources. Il y en a, ça existe. L'important pour tous est que tout le monde y trouve son compte. Reconstite ou évocation. Là où il y a le blocage entre deux dates, qui fait parfois défaut car peu de sources pour avoir un meilleur équipement en reconstite, l'évocation passera au-dessus et dira « ouais, ça c'est bon, ouais, c'est bon, ça passe ». Le sujet des assauts fantastiques qui font par exemple du Tolkien, je vais pas rentrer dans le détail, la base du sujet reste sur la reconstite. Et donc la différence avec l'évocation. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. Je te répondrai du mieux que je puisse le faire, si j'ai la réponse. Si cette vidéo t'a plu, c'est cool. Sinon, c'est cool. Le principal est la diffusion d'infos pour ne pas perdre d'argent inutilement, surtout quand tu commences. Parce que ça, tout le monde se fait baiser, donc c'est important de le mettre en œuvre. Voilà, donc on se voit pour une prochaine vidéo. Le sujet pourrait te plaire aussi, qui est à peu près la même veine que celle-là. Presque. Allez, salut.